Assalamu alaikum bandiraaɓe, mi salmini on, mi juurima on, mi jaarnima on. Ko adi fof mi salmini Samba Ba ma fierté, ko plateau baɗɗo fayida, ko baɗɗo ngartam e leydi ndi. Mi salmini hono mo jogorimi yurdo hono ceerno Idi. Kono noon ko so ɗum haade mi naade d'abord yewtere he, mboɗo salmina kadi mboɗo jaarno hono mon frère Abou Dieng sibugo, kanko waɗi sababu addude mi ɗo henna. Kadi mboɗo yaafanoma nde wonno mi foti arde ko ɓooyi, mais avec le temps tan weeɓani. Kono noon ko ɗum haajam no feewi arde yewtude e bandiraaɓe, kadi disodirde e maɓɓe, haalde haalandeɓe walla yewtude e maɓɓe kene waɗi ngartam e leydi he. Ɗum noon mi salmini on, mi juurima on, mi yetti on, mi arta mon ɗo joni e deuxiéme audio. Bon, pour min waddemi présentation, mbaɗa andi heewani ko kalaminde won noon haalde hoorum weeɓani. Kono noon min geto haalde ngam beele yimɓe ɓeene mbawa andude hol enen. Min mbiyatemi ko Alassane Sock, jeeyami ko wuro ne wiye Oogo. Oogo noon woni koye département de Matam, min goni minen commune de Oogo. Oogo noon ko wuro ɓooyngo guiley 1776, sosa guiley temps dia Oogo en, kadi ko yimɓe waɗɓe karan e politique naaɓe hen law. Ɗum noon mboɗo salmina Oogo naaɓe to jeeyami ɗo, e kala to mbawi wonde e no mbawi wonirde yo jaam jagoɓe. Ewa, mbiyatemi ko Alassane Sock, ko toon janngumi gila to Oogo ɗo, ndewmi Saint Louis ende ko way noon, dañmi bac ko lycée technique André Pétapin Saint Louis. Après mbaɗmi université Cheikh Diop, département économie et gestion, science économie et gestion. Mi ari leydi he aux États-Unis ko toon ngonmi jooni, mboɗomi ɗo hen ya 17 ans de cela. Bon, Allah waɗi noon duuɓi cekkiriɗi ɗi min naate APR, komi membre APR permanent. Kadi mboɗo bokki e nder commission communication presse écrit de parler, min windat mi haalat. Kadi ko mboɗo jeeya e waɗoɓe modéré tous les débats walla les meeting APR. Bon, so ɗum ɓenni mboɗo waɗi, je fais partie aussi e commission des cadres républicains de la délégation sénégalaise l'extérieur, woni APR, woni DSE mo APR. Bon, ko ɗon tan pour le moment, ko heddi ko noon sur le plan professionnel eɗen liggo e gueɗe kewɗe. Kono pour le moment joni liggoɗen koye ɗo consulat général du Sénégal à New York, ɗon président Macky Sall nawi en. Ɗum noon en ɗum ɗo woni tan résumé hol enen. Bisimilla mon noon, je suis disponible, je suis à votre disponibilité e le jiɗirɗon foof ko noon mbaɗiren inchallah. A jarama ceerno Idi, no kalluɗande ko noon. Donc so Allah hokkino hawrude hen l'élection présidentielle ko no mbiyani, c'est au mois de février, le 24 février. Eɗen liggo hen, kadi ko élection joguiɗo enjeu, nde wonnoon en gandi enen foof le président de la République, son excellence monsieur Macky Sall o mona gayna premier mandat wote, eɗen gandi wonko liggeyen ha heewi. Donc deuxième makko mandat ko hunde fonde wonde par rapport à la réalité de la chose et par rapport à la réalité de ce pays. Donc ko helli gorden. Maintenant, à la question de savoir combien de bureaux de vote aux États-Unis, il faut d'abord ganden aux États-Unis il y a beaucoup de bureaux de vote doyen aux États-Unis, mais qu'une quarantaine de bureaux de vote, parce que ça c'est une base, par exemple sur nos sections, par exemple nos coordinations. À chaque fois on dit min jogi coordination dans un, par exemple la PR et ne jogi coordination dans une ville, ça veut dire que donne min jidon presque à peu près un bureau de vote. Donc nous sommes une quarantaine de bureaux de vote aux États-Unis. Maintenant mais actuellement mo dum hatta anamna hidum ni, mais c'est très important ganden d'abord le fichier électoral aux États-Unis, c'est à peu près une cohorte de 12 000 Sénégalais mbadi inscrire sur le fichier électoral. Mais maintenant les votants, et par rapport à l'expérience binodo, les votants ko heddi ça tourne autour de 8 000 votants. Mais il faut savoir que presque 10% des Sénégalais en ce moment voilà nous voter. Donc c'est un body arrondir, c'est au total de 15 000
Sénégalais inscrits régulièrement sur les fichiers électoraux. Mais comme les bureaux de vote tournent autour de 35, 37, 38, 40, et ne va pas non, élection pas d'eau, parce que il y a beaucoup de demandes de bureaux de vote, parce que on y a pas de pour voter. Maintenant, pour il faut pour les Sénégalais, pas comme le parti, mais une demande des doléances, mais pour le moment, ça tourne autour de 35 à 40. Mais quand même, est-il que l'élection présidentielle Garawok, élection d'enjeu, élection qui a de l'importance, qui a de aussi. Ajaram monsieur ba contribution ma ni ajaram no fem ultime kadi mo kala alsan samba ba ko seylam ko minyam no bi len ko gon ko principal école ko biddo organage dreeru ko tinni do e wure non kalifma Allah mako kadi yalla bo na ko mon na jaram merci beaucoup merci monsieur Amadou Fofana merci de votre intervention merci de votre contribution aussi. Et maintenant, vous savez que l'Alliance pour la République, c'est un parti jeune, jeune de sa formation, jeune par rapport à la prise du pouvoir. On a formé un parti avant que le parti soit mûr, et on a pris les rênes du pouvoir. Donc, il y a cela d'abord. Et la deuxième chose, c'est que un parti au pouvoir, il y a toujours des problèmes pas de querelles internes, mais toujours des positionnements. C'est des problèmes de positionnement. Chacun veut être quelque chose. Chacun veut être nommé. Chacun veut se faire voir pour dire au président, c'est moi qui incarne la majorité. C'est moi qui incarne la base. Maintenant, c'est ça la vie d'un parti au pouvoir. Pour qu'un parti vive, il faut que cela existe dans un parti. Donc, je crois que cela ne constitue un frein à la démarche de ce parti. Maintenant, je voudrais faire une petite rectification. Je ne suis pas le consul général, mais je travaille au consulat général du Sénégal à New York. Voilà une précision. Je ne suis pas le consul, mais je travaille au consulat du Sénégal à New York. Donc, une précision. Maintenant, la deuxième chose, c'est que dire que c'est vrai que le président de la République est en train de travailler d'une manière très visible et que seul son travail peut constituer une campagne électorale. Maintenant, dans la vie politique, de mon avis, on ne peut pas minimiser un adversaire parce que nous allons vers une campagne électorale. Nous allons vers l'élection présidentielle. Toute voix compte. Et une seule voix peut faire une différence. Donc, on ne peut pas dire que nous n'avons pas d'adversaires. Certes, ils ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas des adversaires qui peuvent nous faire peur, mais est-il que nous avons encore des adversaires et qu'on ne minimise personne. Nous allons travailler de sorte que nous avons 1000 adversaires. Nous allons travailler de sorte que nous avons le plus grand adversaire. Parce que ce que nous voulons, seulement, ce n'est pas seulement une victoire, mais une victoire éclatante. Une victoire au premier tour, une victoire avec plus de 65%. Donc pour cela, il faut travailler. Travailler comme si nous n'avons jamais pris au pouvoir, jamais pris le pouvoir. Travailler comme si nous avions travaillé de la même manière que nous avons travaillé en 2012. Voilà, Monsieur Fofana, merci encore de votre intervention et de votre détermination dans ce parti-là. Merci beaucoup. Voilà, je ne tiens rien pour attendre comment mobiliser. Les États-Unis, le monde, on a un pays, c'est un continent. Par exemple, l'APR, l'Alliance pour la République, nous avons 33 coordinations aux États-Unis. Donc, il faut coordonner. Pour coordonner, nous avons ce qu'on appelle la délégation des Sénégalais de l'extérieur, on dit la DSE. La DSE, c'est la coordination de toutes les coordinations, la coordination de toutes les sections de l'APR, dont on dit que coordinateur.
waɗi ko chargé de l'administration, waɗi ko chargé des élections, waɗi ko d'ailleurs je fais partie de la commission de des élections. Bon, donc ko en ce sens et en sens seulement qu'on va être donc le travail se fait à la base, le travail se fait dans les coordinations, dans les sections. Maintenant celui ligam intersection a dit la DES, la délégation de Sénégalais à l'extérieur, on va coordonner les activités. Maintenant, à chaque fois que dans les sections, quand on va faire animation, donc il faut d'abord, pour un parti vive, il faut d'abord la communication, il faut l'information. Donc il faut donc la l'information, il faut la mobilisation, il faut la massification. Mais il y a de mobiliser dans les sections elles-mêmes, mais aussi dans les différentes. Donc dans les différentes sections mi badum animé par exemple au moment de calder do joni joni yi me hewu ngumi mo do en a New York han calder do joni joni do calder do joni yi me hewu ngumi do New York do en pay Boston ben dem bad handi soirée de parrainage donc kaltu yimbe badato animé heddi be har kawriya hen badum animé baldum en bad animé kal takki be don jahar bad baldum en animé ko non min ngolirta ko so min geyri kadi min bade des sections di sections di jindre ko men wala la DS jindre ko men ba jaw ko jahar hen ko fatte watte hen financement wala ko halti hen kadi sa fu min bade ce qu'on appelle des conference call leddi ni fof min denda e conference call woni ko way ko genre de réunion ni mais en conference call mais mun fu no den ha hen ko faré parti non tammi mbar dir dum mobiliser ndiaram merci monsieur Amadou Fofana merci de votre intervention merci de votre contribution aussi et maintenant vous savez que l'APR l'Alliance pour la République c'est un parti jeune de sa formation jeune par rapport à la prise du pouvoir. On est formé, et on a formé un parti avant que le parti soit mûr, et on a pris les rênes du pouvoir. Donc il y a cela d'abord. Et la deuxième chose, c'est que un parti au pouvoir, il y a toujours des problèmes de pas de querelles internes, mais toujours des positionnements. C'est des problèmes de positionnement. Chacun veut être quelque chose. Chacun veut être nommé, chacun veut se faire voir pour dire au président, c'est moi qui incarne la majorité, c'est moi qui incarne la base. Maintenant, c'est ça la vie d'un parti au pouvoir. Pour qu'un parti vive, il faut que cela existe dans un parti. Donc, je crois que cela ne constitue un frein à la démarche de ce parti. Maintenant, je voudrais faire une petite explication. Je ne suis pas le consul général, mais je travaille au consulat général du Sénégal à New York. Voilà une précision. Je ne suis pas le consul, mais je travaille au consulat du Sénégal à New York. Donc, une précision. Maintenant, la deuxième chose, c'est que dire que c'est vrai que le président de la République est en train de travailler d'une manière très visible et que seul son travail peut constituer une campagne électorale. Maintenant, dans la vie politique, de mon avis, ne peut pas minimiser un adversaire parce que nous allons vers une campagne électorale, nous allons vers l'élection présidentielle. Toute voix compte. Et une seule voix peut faire une différence. Donc, on ne peut pas dire que nous n'avons pas d'adversaires. Certes, ils ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas des adversaires qui peuvent nous faire peur, mais est-il que nous avons encore des adversaires et qu'on ne minimise personne. Nous allons travailler de sorte que nous avons 1000 adversaires. Nous allons travailler de sorte que nous avons le plus grand adversaire, parce que ce que nous voulons, seulement, ce n'est pas seulement une victoire, mais une victoire éclatante, une victoire au premier tour, une victoire avec plus de 65%. Donc pour cela, il faut travailler comme si nous n'avons jamais pris au pouvoir, travailler comme si nous avions travaillé de la même manière que nous avons travaillé en 2012. Voilà, monsieur Fofana, merci encore de votre intervention et de votre détermination dans ce parti-là. Merci beaucoup. Allô, Thierry Mali, merci de l'intervention. Merci beaucoup.
a jarama monsieur ba contribution ma mi a jaram no fem weltim kadi mo kala Alassane Samba ba ko seylam ko minyam no bi lan ko gon ko principal école ko biddo organage dribe ko tinni do e wure non kalifma Allah makko kadi yalla bo na ko mon na jaram merci beaucoup a jarama cheru idi c'est pas toujours facile de annuler population sénégalaise gono et localité pour des raisons suivantes kodum liguey poddo andede mais ko liguey baddo difficile parce qu'il est informé kala sénégal nadu par exemple nadu aux États-Unis ko su djini sakko sum jamma subako su fini yo ya consulat wada enregistré heba ko wire carte consulaire ko gratuite la carte est gratuite ngadra ko 4 photos ngadda passeport ma wala ngadda carte ma d'identité penanda carte consulaire en djigi importance un andu an holto gonda andere d'abord anahi leedindi andere holto kodda en même temps ma djé e contro ma andé ma wara décompté des heures ma andé ma djé e nombre sénégal na gombi dobe dum non la c'est la première chose donc sénégal na kala garde aux États-Unis wala ailleurs dans le monde. Ce team, quoi dit fou, fou qu'on a amené le consulat makouni. Ce team, il y a un on a un passeport makou, la carte makou d'identité nationale sénégalaise, ou à enregistrer, ou à carte consulaire. Ça veut dire qu'on a jamais un nombre. Nous donnons d'ailleurs un adamin andouji. Mais, elle est ni bandera, mais Sénégal n'a pas. Doit les mabé presque une bata enregistrer. Mbadar adis carte consulaire tank suu haaju min kibib joon kam puddima parce que sensibilisation fuddima yaaji ko dum non baawi aner ono woni outil numéro 1 mi mbay andulde hol no fur Sénégal labbe won doyen bon dum non su Sénégal labbe mbadi enregistré mamin ngantu su be mbadan enregistré non wi abata andede parce qu'on a des estimations wi wala wala deuxième chose ko par les associations dum kare ne wala par exemple wodi association des sénégalais d'Amérique woni ASA on joni ana wala min andudi à peu près hay dum wonta din manière précise wono webani woni yimbe batta enregistré woni yimbe batta mbatt ngarta hay windar pour dañi carte d'identité wala wadde passeport ujen wala wadde inscrire sur la liste électorale maintenant so ko tay dum non avec les inscriptions sur la liste électorale wala avec jowadi enregistrement pour dañi carte consulaire 2 wala troisième chose ko wadde adhérer dans les associations sénégalaises et regarder tout identité min andul à peu près le nombre de sénégalais aux États-Unis voilà mais quand même c'est pas d'une manière précise ko dum non woni ko ndinum adu ten jaram et monsieur dam alpha diallo namel ma question gorko farine diam dam labani wande wi ko on américain ji nga dama machine ngi mbare diam bon mi yidum ene winda kon non andi min kam ñeggum dum ko intoxication de la politique sénégalaise intoxication et ko président Macky Sall gol dum wona e bat dum ko l'objet tan mo opposition wadara pour bunul golle modo lidio ko re ngandi kam Sénégal hande la douane sénégalaise c'est l'une des meilleures douanes au Sénégal ou en Afrique ou dans le monde parce qu'ils sont formés par des experts donc arde un américain adu machine ton ngandane feew ndemay da modjani wala ko ni kaden ngandi eden djugi de laboratoire bado analyser kala nyamde natorton wala kala nyamde fend wala yarde surtout ndiyam ko yarate wana hunde famnunde e leedi wana hunde famnunde e dum do en e développement yimbe la santé des gens donc adu don yimbe wiyede ne ndiyam nan ton ne feewone ndiyam dam labane wala ndiyam dam wadi affaire ko fari douchuji dum don kam wana hunde ni bi sikki fonde famere ndaw non yade laboratoire uniquement pour wadde analyse ndiyam pour itundi selini ndiyam dam pour jangudi ndiyam dam pour labbin ndiyam dam ko yimbe njarata ko ndaw noko narre riru na hunde fiirtede donc mo hibi hagiga les services compétents sénégal na wonbe tombe ngacita ndiyam meje ni pewne bondam ken adni sénégal ni yarde ha ngañwan kadum sino wodi tanan nani wonde selani hen wala won nyaa bi yarade dum ngi hôpital kon bur si dum wadan ko intoxication politicienne voilà merci bandrab mi salmi won mi yahani won bur bi do hen hande parre fof ko juste tan ligor sedde kadi ngartene sedde mi salmi
Miniam Abou Dieng et on est mon ami d'or Nongo. Abou, c'est d'abord, c'est un ami. Mon nom Karim Koli, un vrai militant, un vrai soldat de la nation sénégalaise. Donc, un jeune très compétent, vraiment, pour dire que depuis 8 ans, États-Unis, New York, APR du siège APR bureau siège de siège APR ko kanko doro wadar financier siège APR kanko yobar e poste mako ça fait 8 ans ko min do min jogi siège APR ko doro nango yobar donc mbe féliciter pour ngandon hol kanko darna mako APR on ko heewi hala rako ko non mbe féliciter Allah jaramo jaramo doro nango Tiado Idriss Allah jaramo on jaramo mi salmini sambo manabe fof kadi mi wadi on félicité et victoire mon nanyen kubo Allah jaramo on jaramo e darnde man darindon pour sare monde dan mon darindon pour leydindi dan mon darindon pour ngam leydindi yara yeso nde wonon enen ko rendinen ko wana politique ko rendinen ko wana géographie rendinen ko yidde men c'est une même direction, c'est parce que nous avons même ambition. L'ambition, c'est le Sénégal. L'ambition, c'est l'avancée de la démocratie au Sénégal. L'ambition, c'est la protection des institutions républicaines. L'ambition, c'est de calabrer le Sénégal. Nous avons fini ce soir. Il est sécurisé. Donc, nous avons la nouvelle génération. Le développement du pays. Et il n'y a pas de changement de mentalité. Et il n'y a pas de mentalité. Il faut que nous ayons une mentalité de développement. C'est le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, a dit qu'il y a un PSE. Donc, le plan Sénégal émergent, changement de mentalité parce qu'il faut d'abord changer il faut yimbe jogo hakilaji men wonde leydi ndi ne way bamtaade so yimbe pammi leydi ndi way bamtaade yimbe liggo e leydi ndi way sayi pense ya fodde nawe halu do 25 2035 ko wona enen wadanta ko bibbe men tanira amen jango jam ben tampata donc ko hibben ko jango ben bibbe men be tanira dum don woni la vision d'un homme leader. Ça y est, président Macky Sall, c'est le leader, une vision de développement, une vision à long terme. Il y a des gens qui ont été calculés au Sénégal, au Congo, au Gabon, partout. Il y a des émissions qui ont été encouragées. Il y a des gens qui ont été leaders, des gens qui ont été yimbe be mbawade avancer tank liñul mabbe wadade avancer ay leddi adun di fo su ndendi ere ngandi liñul burngol yidde horum fof burngol yidde liñul mum ullo yingol burngol yidde demgal mum burul mawade avancer donc demgal ngal woni outil développement il faut kalin pularo ligude ne pularo la nouvelle technologie ere mbay jangudum ere mbay jangud histoire géographie la science la technologie les mathématiques il faut mbay jangude kono hore ngijiten ngonden ko hore ngijiten demgal men gal hore ngijiten bibbe men be suka men be kalnem be ko ngurden ko ned sa salim wonde ko wonda ko wonta ko jasi ko wonda ko en baba yidi leddi mukk hande wadi avancer en jidan ko men en baba yidi leddi mukk hande wadi avancer en jidan leñol men gol yo leñol men gol bunen leddi pop kono yo leñol men gol ko yo jab golade yo ngol gol ko goletan modi ko nafata ko deggena o do gorko ceddo liggotodo o do president la republique ko neddo mo Allah adden en leddi fonindudum ligg jagganam o liggo leddi ndi eden pammi jabol makko la démarche développement mo jigi o eden pammi dum et nous sommes conscients ko démarche makko ko hunde nawore leddi yeso nous sommes conscients ko le président de la république ko fudi ligade o le premier mandat ko
nous sommes conscients que ce dernier deuxième mandat, inchallah ko dernier deuxième mandat mo lew leading to you dum do dum non bandirabe ko Alassane Sock arno hande yirde mon e invitation mo garden do en sambumba ma fierté mo wonde sababo ko Abou Diagne minen Abou Diagne en jaramo no feewi en jano bandirabe fofu en calmini Senegal nabe en calmini galleji dindi seram men be en calmini cerro yaa welato ogo yalla hukkan walde e barkuma dum bandirabe salmi mi juri mon kala ko feewi do ngannu wona am mon koy mon woni kala ko onyi do non koy am woni dum non mi nyaagi mi yafu neddo waawonde parfait kadi waawa halde kala ko namna ngarde nako etade ko ngam yiddi tan leedi wona waawde haldati ngarde don ko en jidi ko batten ko tan en jidi leedi ndi en jidi leedi wada avance en jidi kadi ko sambum ma fet wadata ko en njaadi hen dum tege arde hen no bandira mi salmini mi juri mon ko Alassane Sogo hande arno yewtude dum Allah jaram jaram yidi mi salmini ma golle ma peewi ci reedi vraiment beltani mon no feewi yalla nawru odo pojum odo sambum ma fet yalla dum yeso kala ko jidi don ko onon kadi Allah hokkoni woni ha wuro mon go wad developpe takoy mon reewi dum non Allah jaram jaram. Merci beaucoup.